Bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog à l'ETA Bonnier. Et aujourd'hui, épandage de fumier. Épandage de fumier de cheval. Aujourd'hui, c'est des tas de fumier de cheval qu'on épand. Il a d'abord mis du compost et là, il passe un coup de fumier de cheval. Donc on est toujours avec Lambert dans son magnifique CAZ Puma 185, vous connaissez là, ça fait plaisir. Vous commencez à le connaître, on le voit dans différents vlogs, on l'a vu à la presse, c'est celui qui était à la presse l'année dernière. Et là on est avec un épandeur qui est assez vieux, mais qui épand vachement bien. Ils ont fait quelques modifs, ils ont changé les disques, etc., etc. Il épand bien. Et aujourd'hui je vais vous faire quelques petits plans. Alors les plans seront un petit peu plus larges que d'habitude, parce que ben voilà, ça épand un petit peu quand même du fumier, j'ai pas envie d'en avoir plein la gueule. Mais voilà, j'espère quand même que ce sera sympa, que ça va vous plaire. Donc voilà, je vous laisse avec les plans. A tout de suite. Donc ici les amis, l'épandeur épand sur du 12 mètres de large. Mais avec les nouveaux disques, etc., il épand vachement bien. Et vachement un petit peu plus loin même que du 12 mètres. Mais le GPS dit du 12 mètres. Et là, il est occupé de vider l'état qui reste. Il y avait 4-5 tas qui m'a dit. Il est occupé de les vider dans les autres champs. Ici, on est dans un champ qui était... C'était un champ de poids. Et donc... Le champ de poids, bah, il veut mettre du froment l'année prochaine. C'est pour ça qu'il veut mettre full fumier, full engrais, etc. Pour que ça fasse du bon travail. Bon, et bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, voilà, à quoi ça sert d'épandre du fumier de cheval sur les champs, bah, c'est tout simplement pour apporter ce qu'il faut à la terre de façon naturelle, sans faire des apports d'azote, etc., etc., avant les semis, etc. Donc là, on épand avant, comme ça, après, on va venir enfouir tout ça dans le sol, dans la terre, ce qui va nourrir la terre de tout ce qu'il lui faut pour avoir une terre qui soit bien, bien saine pour que les prochaines cultures, donc ici le froment, poussent correctement pour avoir un rendement maximal, bien évidemment, et c'est biologique, c'est naturel, ça vient des animaux, donc voilà, c'est pas de la chimie, les gars, c'est pas de la chimie. Alors les amis, on va arriver au tas de fumier de cheval du coup qui est là-bas. Il va re-remplir. Il y a encore des blés. Il va re-remplir encore les pendeurs. Je sais pas encore combien il y a des pendeurs. Peut-être deux. Peut-être deux, trois, je pense. Je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aurai eu le temps de faire quelques plans quand même bien sympas. Je vous expliquer un petit peu d'où et comment. Alors c'est un épandeur d'occasion, hein, bien sûr. Et on viendra normalement pour les moissons de maïs. Parce qu'ils vont rouler avec des grosses machines, vous allez voir ça va être sympathique. Non mais... Les amis, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, en octobre, novembre dernier, je ne sais plus trop, j'avais été filmé de l'arrachage de carottes dans l'entreprise ici. Exactement ici, le champ qu'il y a juste là, que vous pouvez voir juste ici, eh bien c'est un champ aussi de carottes qui va être récolté par eux. C'est intéressant de le voir quand il n'est pas encore arraché, parce que ben là on voit bien encore tous les rangs. On voit bien que ça ressemble à des carottes. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a des betteraves tout autour sur le détourage du champ? Mais c'est simplement parce qu'ils vont venir arracher les betteraves en premier. Et une fois que les betteraves seront arrachées, bah au moins ils auront le temps et ils auront la place surtout de venir mettre les chariots. Parce que rappelez-vous, les tracteurs tiraient des plateaux avec des caissons. Et ces caissons, bah, ils ont besoin de place. Et donc bah, voilà pourquoi il y a des betteraves autour. Et comme ça, ils vont pouvoir tourner tranquillement, en toute simplicité, sans problème. Et comme ça, bah, il n'y a pas de dérangement, il n'y aura pas de perte. Alors j'ai pas eu l'opportunité malheureusement de vous filmer des moissons cette année.
que les agriculteurs. Ici, ça a été très très vite. En 2 semaines max, tout était fait. Donc ça a été un peu compliqué de m'organiser. Surtout qu'il y avait le travail, il y avait tout ça. Donc c'était un petit peu compliqué de m'organiser, de pouvoir trouver du temps pour venir filmer. Et puis j'avais pas forcément l'envie non plus, pour des raisons privées, voilà. Donc voilà, ici j'ai trouvé le temps justement de filmer de l'épandage. Je trouvais que c'était cool parce qu'on n'avait pas fait ça l'année dernière. Je vais essayer aussi de filmer des arrachages de betteraves, de patates et de la moisson de maïs. Voilà. Après peut-être des foins, tout ça pour plus tard. On verra, mais voilà un petit peu dans l'idée. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire tout ça. On reprend un petit peu le contenu. On reprend un petit peu les vidéos plus quali, plus agricole, plus travaillées. Et un peu moins de farming, mais bon, ça va. Il faut évoluer, hein. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle touche déjà à sa fin, je sais, c'était une très chouette vidéo. Non, c'était sympa de filmer un petit peu d'épandage de fumier, j'avais jamais vu ça, enfin j'avais jamais filmé ça, j'en avais déjà vu mais jamais filmé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi, j'espère que les plans vous auront plu comme d'habitude, que les petites explications aussi. N'hésitez pas à aller voir le TA Bonnier sur Facebook, tout ça, ils ont peut-être un site internet aussi. Donc voilà, allez les voir, ça fait plaisir, et voilà, donnez de la force. Et n'oubliez pas, l'agriculture, c'est un beau métier. Donc voilà, donnez-vous à fond. Et voilà, très très vite. À plus tout le monde, plus. On n'oublie pas le petit.